Bonsoir de Gaza. Donc voilà, après le repas de Ramadan, place au dessert. C'est une pâtisserie traditionnelle palestinienne, elle s'appelle le knafa arabe. C'est une pâtisserie à base de sucre, beaucoup de sucre, de semoule, mais surtout des amandes, de cacahuètes, des noisettes et de noix de coco et des pistaches. C'est différent de knafa de Nablus à base de fromage. Donc c'est la pâtisserie de Ramadan à Gaza. C'est une pâtisserie typiquement gazaouite. Merci beaucoup. Bon appétit. Saha, amitié de Gaza la vie. Bon Ramadan à tous les amis musulmans. Merci beaucoup.